Eh bien, salut à tous, c'est Paradox, pour ces tout nouvelles épisodes de Pokémon. Donc là, on doit être à épisode 12. Donc d'avance, il faut savoir qu'il n'y aura pas... j'ai changé de logiciel, je suis passé avec Bandicam pour enregistrer. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de bonjour ni de au revoir. Enfin, sauf au premier épisode et au dernier que j'ai enregistré à la suite. Mais sinon, il n'y en aura plus. Vu que toutes les 25 minutes pile, ça va couper. Pour vous, mais moi je verrai limite pas. Donc on a toujours notre équipe composée de Ténéfix de type normal, Amonistar de type poison sol, Migalo de type eau, Reptincelle de type feu, Chamallow de type combat plante, et c'est tout. On va mettre notre Amonistar devant. Et on va continuer. Ça fait très longtemps que moi que j'ai pas retourné toucher au jeu. Donc Kalekid contre notre Amonistar. On va leur faire un petit pied brûleur. Voir. Amonistar rate son attaque. Ça commence bien. Doux parfum. Ça commence très très mal. Vas-y Amonistar. Ah, pied brûleur qui fait pas mal de dégâts. Après, il augmente sa défense, mais normalement ça devrait quand même le tuer. Je pense. C'est bon. Un Dodio. On va essayer de garder notre Amonistar. Je pense que le pied brûleur, ça va pas faire beaucoup de dégâts, je pense. Ouais, non. Dracorage, type dragon. Ouais. On va envoyer Ténéfix. Parce que bon, coup de boue. Ok. On va tenter une attaque du raccord. Je pense que ça devrait être pas très efficace. Force nature, ok. Attention, météore. Ça passe encore. On va tenter un ultime à point. Ok. Force ceinture, toujours météore. Non, si je fais Pokémon, on va laisser des Ténéfix. Aïe. Oh là là. On va sauter une vibre à quoi. C'est pas très efficace. Attaque brume, ça lui augmente sa rapidité, je crois. Ah non. Voilà. Chamallow qui monte level 20. Tac, un Mélofée. On change toujours pas de Pokémon. Un petit ultime à point. Je pense que ça devrait passer. Double dard. Petit poison. J'espère qu'on va pas être empoisonné. On n'a pas été empoisonné. C'est parfait. Un autre ultime à point. Et ça devrait être réglé. Voilà, c'est réglé. Parfait. Il y a une boule là. Danse pluie. Pas mal. Donc, on a qui devant. On va garder notre Reptincelle. Reptincelle qui, je vous rappelle, est notre Pokémon de base. Un Goupix.
Merde. Je fais n'importe quoi. J'appuie trop vite. Enfin, c'est vraiment des trucs pas beau. Il serait type feu. On va tenter une petite triple attaque. Il est brûlé. C'est pas ouragan. C'est type feu plante. On va retenter une triple attaque. Ça passe nickel. Galifeu. On change toujours pas. Nous aussi on va y faire une triple attaque. J'ai de pierre. Ok, donc de type roche, je pense. Ça fait assez mal. On va faire une triple attaque et on va switcher de Pokémon. Je vais pas prendre de risque à perdre mon Reptentel. Alors, il y a quoi là? Azuria, quoi. Donc j'ai la grotte d'Azuria là? Ok. Teddy Ursa contre notre étincelle qu'on va switcher par Migalos. Migalos est confus. Allez, attaque s'il te plaît, attaque. Ah, de son. Ok, vas-y s'il te plaît Migalos, attaque. Purée, c'est pas possible. Bon, allez, c'est quoi t'attaque? Voilà, donc en plus vous allez voir ça va être une qui fait pas de dégâts en l'été. Faudrait que je switch. Trois fois. Okay. On va switcher sur notre Ténéfix. On commence vraiment à avoir une équipe un peu faible. Donc oui, et donc pour revenir, je pense qu'il va y avoir peut-être 2-3 épisodes qui vont être tournés à la suite. Il devrait y avoir, enfin pour vous dire, en gros vous calculez, je vais tourner pendant peut-être une heure. Et enfin une heure et demie. Et les épisodes seront coupés en 25 minutes pile. Peut-être 25 minutes une. Donc voilà. Enfin les bras quoi. Notre équipe est vraiment dans la merde là. C'est le cas de le dire. C'est une fille qui passe level 24. Oui 24. Un Altaria ou un Altaria. Parce que Altaria c'est pas vraiment pareil que Altaria. Non bon. Oh oui. Mets ça dans ta confiance s'il te plaît. Vas-y s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Mais non, mais pourquoi lui ça fait jamais? Oh, ça m'énerve. Bon. On peut renvoyer une Migalos. On peut tenter un petit rayon signal. Qui fait pas beaucoup de dégâts. Oh, t'as rien n'est plus. Mais genre le mec il est confus qu'un tour quoi. Critique. Ok, on va tenter un petit Ultima Washi. Oh, voilà. Son attaque augmente, donc on va refaire un rayon signal. De toute façon, il ne doit pas y rester beaucoup de vie. Je pense un ou deux points de vie. Parfait.
Ok. Bon, on peut plus compter que sur Migalos. Pokémon insecte, tu dis que tu as. On va voir ce que t'as. Chrysacier, en effet c'est insecte. Enfin, de base, c'est insecte. Là tu semblerais être de type glace. Deuxième laser glace, j'ai peur qu'il me glace. Qu'il me gèle. Non c'est bon. Voilà, allez, barre-toi le chrysacier. Chrysacier de type glace. Plutôt pas mal. Tiens, un loup qui passe le 21. Oui, tente. Vitesse extrême. Vitesse extrême, 5 semble que ça marche même quand on utilise le Pokémon. Je crois. Ok. On va tenter un petit rayon signal. Gribouillage. Là, il me dessine. On va tenter un petit balayage. Qui fait pas beaucoup de dégâts. Zénith. Ça fait que le soleil nous fait des dégâts, il me semble. Je crois. Mais bon, après, c'est pas terrible. Coup critique. Plutôt bon. Brouhaha. S'il va nous faire pas beaucoup de dégâts en fait. On refait un balayage. C'est quoi qui refait brouhaha. Je sens que c'est pendant 3-4 tours. Plus qu'un tour et je pense que ça devrait être bon. Bon, c'est un petit peu un combat attardé là, mais bon, pas trop le choix. Voilà. Un débugant, il est de type eau. Rayon signal, il me semble que c'est plante. Ça devrait faire pas mal de dégâts. Non. Débugant, il est de type eau. Je sais pas d'attaque de type plante en fait. Vu que si vous vous souvenez, on a un autre débutant qui est dans notre PC. C'est pas plante. Ah non, c'est un sou. Qui c'est qui a Corinne attaque de type plante? Chamallow, t'as quoi comme attaque? T'as des attaques. Ça triple pied à la rigueur. On va envoyer notre Charmeleon. Mais c'est vrai que notre Charmeleon n'a pas encore d'attaque plante. Ça c'est dommage. Bon, il devrait prendre, je sais pas beaucoup. Oui, il prend vraiment rien. Donc, certes. Ah, je devrais faire comme moi. Je me suis trompé. Parce que certes, il est feu, mais il est aussi plante. Donc du coup là. Notre Charmeleon commence vraiment à être sympa. La vitesse de Charmeleon baisse. On va utiliser Croûte Mort. Croûte Mort qui fait pas mal de dégâts. On va refaire Croûte Mort. Charmeleon, évite de rater ton attaque s'il te plaît. La vitesse du Charmeleon allié baisse. Encore un coup je pense Charmeleon et t'auras fait ton taf. Wow,
Voilà, bravo à toi, mon petit Chamallow. Chamallow qui commence à revenir tranquillement dans la game. Bravo, mon petit Chamallow. Ok, on est sur la route 10. Ok, donc on pourra venir ici de toute façon. Ok. Donc après, ici on a une grotte. On va aller soigner notre équipe. Parfait. On va aller... J'arrive pas, ça m'énerve. On va mettre Amonistar. On va donner le multi-exp à Amonistar et on va mettre Chamallow devant. Voilà. On va essayer de voir ce qu'il y a, ce qu'on peut trouver là-dedans. Un carabaf. Ça m'intéresse beaucoup, c'est un carabaf. Bulle d'eau, de type eau, ça m'intéresse plutôt moyen ça par contre. Ça m'intéresse moyen qu'il soit de type eau. Ok. On va voir après de quel type il est. Ok. Un petit dernier, on va voir si on peut capturer. Je prends. Ah non. On trouve quoi d'autre? Des barbichats. Ça m'intéresse pas. Par contre, ouais, Carabas, ça m'intéresse pas mal. Laisse-moi sortir. Laisse-moi partir. Et voilà, tout content. T'es confus. Barbicha, ça m'intéresse pas. Ok. Raichu. Plutôt moyen, ça, comme Pokémon, mais bon. On va voir. Wow. Ouais, yoga, ouais, pas terrible. En fait, il fait surtout par rapport aux attaques qu'ils ont. Gaz toxique. Type poison. Ça pourrait être pas mal un type poison. Mmh. Ouais, c'est vrai. Ouais, ce serait pas mal. On va le prendre notre équipe. Si on pourrait, mais pourquoi on les tue tous? On va. Allez, dernier essai. Tac. On va en circuit en tombe. Si on ne sert pas à mission, on prend pas. Je le veux. Je veux un Octaline dans mon équipe. Ça, c'est obligé, je veux un Octaline dans mon équipe. Bulldo. Octaline, on va pas se cacher, Octaline est classe. Oui, non. On va switcher. On va envoyer Amonistar. Pas quel type il est. On va qu'est-ce qu'il fait de prendre
League. Pied brûleur. J'ai peur. Ça fait quand même pas mal le pied brûleur. C'est bon. On va pouvoir avoir notre Noctali. Alors, Noctali, on a quoi pour Pokémon. Une Pokéball qui marche mieux avec les Pokémon. Bah ouais. Utilisez ça. Il est quand même assez faible. C'est du Fiablo. Non. Allez, viens avec moi. Allez, Noctali. Noctali, s'il te plaît. Allez, allez, allez. Non. Je veux ce Noctali. On va switcher. J'ai pas quelqu'un qui pourrait l'endormir ou quelque chose comme ça. Non. Bon, on va envoyer... Ah, oh putain, j'ai pas parlé de switch. Bon. Allez, 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 allez. Yes! On a notre Noctali dans notre équipe. Noctali qui est de type... Qui est de type... Insecte vol qui a comme attaque Bulldo Fléau surpuissance barrage plutôt pas mal. Bon voilà, Chamallow et KO. On va soigner toute notre petite équipe. On va donner une multi-expérience à notre Noctali. Et on a notre équipe un peu trop complète. Ce serait bien que je retrouve un deuxième multi. Bon. Tac, on va utiliser coupe, voir ce qu'il y a là. Alors, s'il y a que dalle. Bon, donc faut passer par ici. C'est quoi ces routes? J'ai personne qui flash. Est-ce que j'ai quelqu'un qui flash? Non. 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 Je crois pas avoir flash. Coupe, zénith. J'ai pas flash. Bon. Fait. Totalement la merde. Un hout hout. Un orfang. Picanon. Psycho. Boost. Oh bah parfait, ça marche plutôt bien. Tourniquet. Tourniquet, c'est l'attaque que type Loufa. Genre t'es sérieux. Allez barre-toi. Genre t'es sérieux.